$10 millions de crédit pour la capture des intrus. C'est pas beaucoup. 10 millions hein. pour leur mort. Non, franchement. Moi, j'aurais dit 100 millions chacune, et puis voilà. Hein. Je suis déçu là, 1 million. Ouais, je veux quand même plus que ça, hein. Bien sûr. Il y a du monde hein, quand même. Bientôt, il y aura plus beaucoup de monde. Ils vont peut-être augmenter notre prix comme ça. Bah c'est sûr, hein. Chaque mec qu'on tue c'est 1 million de plus. Hein. Enfin je crois. Ça pourrait être 1 million de plus. Voilà. T'as vu les régulateurs, ils sont en vert là. Ils sont en vert. Les 4 régulateurs autour de nous là, ils sont en vert en fait. Ouais. Je pense que ça peut être, ça se trouve c'est après peut-être, on verra bien. Bon, ouais, voyons un peu voir si on peut vaincre le vice-commandant Grévin. Ah oui, pardon, excuse-moi, je me trompe de côté. Excuse-moi, je ne suis pas surpris en fait. Je vois que tu parles. Ah, c'est moi. Danger. Ah. Danger. Réacteur 2, 5 et 8, proche de la masse critique. Le système de refroidissement de la plateforme est désactivé. Qu'est-ce que tu fais? Je sais que vous n'avez pas froid aux yeux. Mais vous voulez faire sauter un transport et tuer tout le monde à bord juste pour le principe? Si je devais pas vous descendre, je vous embaucherais direct. J'adore son argumentation. Même si vous aviez les moyens de m'embaucher... Ce qui est impossible. Dites-moi pourquoi je saluerais un type qui se fait appeler vice-commandant. Je parlais pas sérieusement, capitaine. Quand vous serez morte, le cartel nous versera une somme faramineuse. Rien à voir avec c'est ce que propose le gouvernement de cette loi de rêver. Ma Keb peut bien finir en cendres, et la République avec. Avec l'isotope 5, tout va changer. Quand on aura extrait toutes les ressources de ma Keb, les Huts seront les maîtres de la galaxie. Ouais. C'est pas la première fois qu'on donne la République perdante. Vous allez vous porter la poisse. Vous m'avez fait perdre un sacré pactole aujourd'hui, mais je peux toujours rentrer, mes frères. C'est l'heure de régler nos comptes. Bon, n'hésite pas à le faire voler, le mec. Hein. Il est où? Attention. Oh putain, j'ai interrompu, c'est lent. Aïe, c'est fatal, ouais, putain. Bataille de mort. Interrompu. Voilà. Ah, quand on l'interrompt, putain, Mais il est pas content. Non, bah ça, il se gèle lui-même en fait. Amusant. Voilà. Excellent. Ah, oui, hein. Belle bataille. T'as vu en plus, ma cape, Il nous dit rien là. Non. T'as vu, ma cape, elle s'est retournée aussi. Ah oui. On voit les petites fesses des lilas. Oh, c'est mignon. Oh. Bon alors, allons-y. Okay. Allons-y. Oula. Oh bon bah tant pis hein. J'abandonne le vaisseau hein. Mais on est quand même con quand même de détruire le vaisseau sur lequel on est, ouais. Ah, trop bon. On est les meilleurs. Ouais. Ah oui, regarde les bandes de ploucs là, ils s'en vont dans leur petite navette là. Alors que nous, on court. Nous, on est des sportifs, nous. Et on a des navettes aussi, hein. Enfin, on a une. Enfin, j'espère. Oh là là. Non, mais non, merde, comment on fait? Ah, c'est trop bien. Oh là là. Aïe. On va tous mourir. On va tous mourir. Oh, je suis une héroïne. Oh, trop bien. Ah, excellent.
Oh, il tombe, regarde, c'est trop bien fait. Oh là, belle explosion. Nous ah avons oui. vaincu, Aurégane, nous avons vaincu. Ah, mais t'avais des notes? Pas moi du tout. Non, mais on avait entendu parler de Grévin, que c'était quelqu'un d'invincible. Voilà. Ouais, c'était juste des rumeurs, apparemment. C'était des rumeurs. Eh ben, dis donc. Super bien fait, hein, là, franchement. Explosion et tout. Bon, alors là, j'aimerais bien quand même d'arriver sur le... Voilà. Tout est enregistré. Hop là. Ouais. Excellent. Ah, Bon, ben, rejoignons Shalim hein, pour lui parler. Oui, allons-y. C'était super bien fait, hein, quand même. Ah, là, hein. Super. Là, Grévin, là, j'ai adoré là, le combat, là. Ah ouais, ouais, super. Entre l'autre jour, moi qui faisais la grimace parce que j'arrivais pas à ouvrir le pont. Donc, nous allons voir Shalim Avesta. Oui. Ouais, non, c'est toi qui es le propriétaire. Oh. Et, attends, faut pas non plus exagérer. Voilà, attendons qu'ils apparaissent tous là. La fille. Putain, ça prend du temps à apparaître les structures, enfin les textures, la vache. Non, c'est bon. Moi, c'est bon aussi. Mais bon, ça a pris attends, du temps. Attends, j'ai Doc là qui est en plein milieu de la table là. Oh, ouais, moi je suis sur la table. Voilà. Et je peux même pas cliquer sur le. Ah, c'est voilà. Donc parlons à ce cher Shalim. Shalim. Ça y est, c'est bon. Enfin, voilà. Peuple de Makeb, vos héros sont de retour. Méfiez-vous. Oncle Shalim se présente comme président sur toutes les planètes où on pose le pied. Ces nouvelles légendes de Makeb nous laissent entrevoir non seulement l'espoir d'une Makeb libérée de l'oppresseur Hutt, mais aussi une issue de secours sous la forme d'une arche. Je sais que vous avez peur, quoi de plus normal. Mais le temps de la crainte est bien révolu. Si vous laissez l'angoisse et le désespoir s'emparer de vous, les Hutt auront gagné. Prenez soin de vos voisins, de vos amis, de ceux qui vous sont chers. Soyez braves. À force d'entraide et d'optimisme, nous survivrons à cette épreuve. Que la force soit avec vous. Évidemment que c'est beau. C'est Delilah qui parle. Alors là, j'applaudis moi aussi. Ah, j'espère que Mackay va pas terminer. Hein. Bah non. On a encore des parties qu'on n'a pas faites. Ouais, mais bon. J'étais sincère. Du début à la fin. L'arche est en sécurité et elle sera bientôt parée au décollage. On a bien mérité de souffler un peu, vous en particulier. J'adore le séduire. À l'ambassade Hutt, on a trouvé un holo indiquant que l'arche a été construite pour transporter une substance appelée Isotope 5. Quand Grévin nous a parlé, il a promis que l'isotope 5 changerait le visage de la galaxie. Mais il n'a rien dit de plus. Ce nom-là vous dit quelque chose? Ça ressemble plus à un nom de code débile qu'à une découverte scientifique. Ah, je l'adore. Enfin, Toboro, le puissant Hutt, daigne s'intéresser à nous. Vous nous appelez pour nous féliciter, très cher? Personne n'a peur de vous, Toboro. Si vous aviez encore assez de force pour nous attaquer, vous seriez pas là, bavardé. Arrêtez avec vos menaces dans le vide, Toboro. Makeb est condamné, et l'Arche est notre seul espoir. Si on vous la rend, on meurt tous. Quel enfoiré. J'adore. C'est gentil de nous indiquer un endroit où faire le plein. On arrive tout de suite. Oh oh. Ah, oui. Ah, ce sont les fameux droïdes à Isotope 5. Ouais. Je reconnais l'endroit où le droïde attaquait. C'est Tarlam, une petite ville sans défense. On va y aller. Je vais faire apprêter une navette pour vous y conduire.
Je vous en supplie, sauvez mon peuple. On va essayer. Si ça amuse Toboro de jouer sur la taille. J'ai jamais vu aucune machine capable de battre un Jedi. J'envoie un signal d'urgence à la République. Il nous faut l'aide d'un expert scientifique. Si Toboro dit vrai à propos de l'isotope 5, on n'est pas prêt de décoller. Ce HUD va tous nous massacrer. Foncez vers Tarlam et détruisez ce droïde. Avec plaisir. Avec grand plaisir, en effet. Ah, mais voilà. Quelques petites récompenses. Oui. Arrivez donc à la petite cité de Tarlam. Il faut botter les fesses d'un droïde à isotope 5. Place du marché. Ok. Droïde là-bas. Oui, et droïde ennemi d'assaut là-bas. Et on voit même la journalière qui est pas loin là-bas.